Un photographe doit être comme le motard là qui conduit la même fille chaque jour chez les sugar daddy, pendant que celle-ci est officiellement fiancée. Les photographes comme les motards ont beaucoup de secrets. Les photographes connaissent beaucoup de choses. Si certains photographes se décident de publier certaines photos, ça sera un scandale. Un photographe ne parle pas trop. Ayez des retenues dans vos paroles. Et c'est ça qui fera votre preuve d'ipséité. Il faut être discret, il faut être professionnel. Faites votre travail et puis partez. Même si vous êtes excité à dire quelque chose, ressaisissez-vous. Même si vous êtes excité comment, ressaisissez-vous, redescendez sur terre. Ne dites pas tout ce que vous voyez. Gardez le mystère. Bandez-vous les yeux, soyez avec de l'entendeur et faites votre travail et puis partez. C'est ça qui fera votre force. Parce que vous ne parlez pas de tout ce que vous voyez. N'essayez pas d'entrer dans la vie des autres. N'essayez pas de connaître ce qui se passe. Ce n'est pas ça votre travail. Vous êtes venu faire les photos. Faites les photos et puis partez. Un photographe ne parle pas trop. Quelqu'un est loquace. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Quand vous parlez trop, vous risquez de vous faire frapper. La force d'un homme se résume aussi par sa capacité de garder un secret. C'est ça qui fera votre différence. Un homme n'est pas une balance. Génétiquement, il a été créé pour des choses mieux que ça. Il faut laisser les commérages, les discussions inutiles, la suivi des vies des gens, toutes ces choses-là pour les femmes. Ce ne sont pas des choses appropriées pour les hommes. À chaque fois que vous parlez des choses qui ne vous concernent pas auprès des autres personnes, vous pensez avoir fourni des informations, mais vous avez perdu en crédibilité. Les gens ne vous feront plus confiance. Si vous voyez un photographe parler des choses qu'il a vues, c'est que c'est une tapette. Ce n'est pas un homme. Ça, c'est des choses qui sont faites pour les femmes. C'est les femmes qui sont chichichichi. Les hommes ne sont pas comme ça. Les hommes ne vont pas à côté pour commencer à critiquer, non. Ils disent des choses. Quand il faut dire les choses claires, ils viennent, ils disent « Mon cher, je n'ai pas aimé telle chose. » C'est ça un homme. C'est pas comme les femmes qui gardent des rancœurs pendant des années. Il y a des hommes qui sont des omelettes aussi, hein, qui gardent des rancœurs comme des femmes. Les vrais hommes, les hommes alpha, se taisent. C'est aux femmes de parler, c'est pas aux hommes. C'est vrai qu'il y a aussi des femmes qui ne sont pas dans des bêtises que certaines femmes font. Ça, c'est la maturité. Il y a des femmes matures. Il y a des femmes qui ne sont pas dans des discussions bêtes. Biloba l'Obama, mais gardez toujours un mystère autour de vous. Et c'est ce qui fera votre force. Allez, n'oubliez pas que l'apprentissage ne finira jamais. Because life is a challenge! Biloba l'Obama, hein? Un photographe doit se comporter comme les motards là qui conduisent chaque jour la même fille chez les sugar daddy, pendant que celle-ci est officiellement mariée. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Allez! God bless! Say yeah!